Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en pause. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente le village de Trijonction. Ça se passe en 1976 et c'est tiré de l'émission Mon pays, c'est la Beauce. Bon visionnement! Trijonction est un village situé sur la route 112, à quelques 20 000 de Thetford Mines et à 30 000 de Saint-Georges. Et cette localité a une population de 1300 âmes. En 1880, avec l'inauguration de la ligne Sherbrooke-Beauce-Jonction du Québec central, date la première station de chemin de fer de Trijonction. À cette époque, Trijonction faisait partie de la municipalité de Saint-Frédéric. En novembre 1918, une partie du territoire de cette paroisse s'en est détachée pour former la municipalité actuelle, s'agrandissant au cours des années par des annexions. La population agricole est peu nombreuse, alors que la population ouvrière constitue le noyau important de Trijonction. L'industrie Carey Canadian Mines Limited exploite une mine d'amiante depuis 1956 et procure de l'emploi à plus de 400 personnes. Le moulin de Trinkply fabrique le contreplaqué alors que les plaquages rois font de la transformation du bois. Et toujours du côté industriel, les piscines modernes incorporées. Elle fabrique des piscines, des carrioles pour autoneige et des accessoires pour chambre de bain. La municipalité s'est dotée des principaux services municipaux pour le bien-être de sa population. Nous retrouvons une école institutionnelle, un centre communautaire et un terrain de loisirs. Trijonction possède son curé résident depuis 1962 et les paroissiens sont fiers de leur petite église. À Trijonction, nous retrouvons une population dynamique et les autorités municipales travaillent à l'élaboration de différents projets. C'est une localité qui n'est pas dédaignée dans ce beau pays de la Beauce.